grande Kimia Liboso Yankolo. Que l'Éternel Dieu a établi les bergers. L'objectif c'est faire sortir et faire entrer. Autant que nous pouvons dire au revoir à 2021. Et nous pouvons dire bienvenue 2022. C'est pour cette raison. Au revoir 2021. Au revoir 2021. Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ensemble nous levons nos mains. Et nous disons bienvenue 2022. Bienvenue 2022. Vous allez le dire ensemble avec moi. Et l'ongo langai bokoloba. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu as des projets pour nous. Tu as des projets pour nous. Nous confessons ce matin. Nous confessons ce matin. 2022. 2022. Les projets de l'Éternel se réaliseront. Les projets de l'Éternel se réaliseront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et les amis, vous qui êtes au balcon, restez assis. Et vous qui veillez, je vous dis grand merci. J'ai vu que vous maîtrisez bien les choses. Très bien. Parce que nos gardes-fous là ne sont pas encore gardes-fous, comme on le dirait. Et donc, parce que nous sommes maintenant déjà en 2022, nous allons rouler notre pensée de l'année. Et cette fois-ci, nous avons changé la façon de faire. Et nous allons évoluer de cette façon-là. Que 2022, année de reproduction, année de production,
et année de multiplication. Votre joie, ça me montre ce que va être l'année. Votre joie est en train déjà de dire à 2022, c'est la joie. Alors ce matin, je vais commencer d'abord par vous demander que nous puissions une façon de dire à Dieu merci avec nos actes, qui après ton enveloppe d'action de grâce, et nous voulons prononcer une parole avec l'enveloppe à la main. Nous avons dit pourquoi nous disons à Dieu merci. Nous avons dit parce que il y a eu 525,600 minutes que tu nous as accordées. Si tu n'avais pas eu l'enveloppe pendant qu'on avait distribué, en levant la main, je crois le service peut vous amener l'enveloppe et puis vous apprêter ensemble avec nous. Levez les mains, ceux qui ont besoin de l'enveloppe, levez les mains. Mon Dieu, une façon de poser des actes de reconnaissance
Place-les dans ton souvenir pour l'année à venir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sans chanter, nous déposons nos enveloppes dans les paniers. On ne chante pas, tu viens seulement. Il y a les paniers, mettez partout là. On va mettre ça ensemble. Le Dieu des souvenirs, pense à ton peuple. Mon Dieu, c'est toi qui as dit, je vous garderai, je serai avec vous pendant que ton peuple obéit à ta parole. Pour les 5250 minutes, pour les 365 jours, pour les 8000 heures, pour les 52 semaines, pour les 12 mois, mon Dieu, qui est le Dieu des souvenirs, qui a dit, vous êtes fidèles dans des petites choses, les grandes choses viendront. Je proclame que la faveur de Dieu, le Dieu qui pense à son peuple, qui est le Dieu des chiffres, regarde, lis le chiffre écrit dans chacune des enveloppes. Je te fais confiance, oh Dieu. Tu m'as placé pour te représenter. Et j'ai parlé en ton nom. Reçois honneur. Louange et gloire. Par le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Merci. Le service, vous pouvez dégager cela. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes venus pour glorifier le Seigneur. Nous allons beaucoup chanter. Vous m'avez déjà donné le ton par la joie que vous avez manifestée tout à l'heure. Alors, je veux que ça soit comme ça jusqu'au matin. Quand nous irons dans les déclarations avec le prophète, que chacun de nous applique sa foi. Ce matin, je ne parlerai pas de la reproduction, production et multiplication. Je parlerai d'autre chose. De ça, nous en parlerons prochainement. Le thème de ce matin s'intitule Dieu promet encore une longue vie. Que quelqu'un dise avec moi longue vie. Longue vie. Dis avec moi longue vie. Longue vie. Dis-le avec conviction longue vie. Longue vie. Dis avec conviction vivre longtemps. Vivre longtemps. Dis encore vivre longtemps. Vivre longtemps. Vieillir. Vieillir. En étant fort. En étant fort. C'est le message que je vais donner ce matin. Cela nous permettra que quand nous allons prier, nous allons refuser la mort prématurée. Et nous allons prendre la parole de Dieu à main. Et donc tu appliques ta foi, j'applique ma foi. Et à ce moment-là, quand nous le faisons selon la parole, en conviction de la foi croyant la parole,
prononçant les déclarations basées sur la parole, en élevant le Dieu qui a tout créé par sa parole. Je crois sincèrement, l'Éternel Dieu mettra le cachet sur toi, en disant que Dieu promet encore. Il promet encore. Quand on dit encore, ça veut dire que ça a été fait. Et alors Dieu promet qu'il veut encore faire cela. La Bible déclare. Nous prenons Ésaïe chapitre 46 verset 4. Nous lirons également le verset 3e. Il est écrit. Écoutez-moi, famille de Jacob. Vous tous qui restez dans la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous. Depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Là, c'est l'Éternel Dieu qui dit, comme je l'ai déjà fait, je le ferai encore. Il a dit deux choses importantes. Que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que vous ayez des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Donc, en ce temps de fin de l'année, et de début de l'année, Dieu envoie son message qui dit, ce que j'avais fait, je vais encore le faire. Généralement, quand les périodes changent, les gens ont plusieurs sentiments. Ce qui avait obtenu de réalisation se demande si cela va se revenir encore. Ceux qui n'ont rien eu se victimisent en disant nous serons oubliés ou délaissés encore. Le prophète annonce une promesse d'une longue vie avec trois soubassements. Je vais vous porter, je vais vous soutenir et je vais vous délivrer. C'est ce mot délivré qui est dit dans l'autre version comme préserver. Et préserver qui veut dire en d'autres mots garder. Ici, nous voyons la ferme volonté du Seigneur de poser des actes en faveur de son peuple. Alors, pour comprendre et appréhender son message, quatre analyses vont pouvoir nous aider. La première analyse, c'est la notion de temps. L'expression temps s'exprime en termes de. C'est-à-dire quand on dit temps, c'est un mot vague s'il n'y a pas une expression qui le détermine. Et quand on dit temps, il y a les expressions qui montrent ce que ça veut dire.
C'est là qu'on parle de minutes. C'est là qu'on parle de heures. C'est là qu'on parle de jours. C'est là qu'on parle de semaines. C'est là qu'on parle de mois. Et c'est là qu'on parlera des années. C'est ainsi quand on met l'ensemble des semaines, l'ensemble de mois, de jours, des heures. Comme en ce moment. Quand on parle, voilà, une année est terminée. Ça veut dire un temps est passé. Et ce temps-là s'exprime par les unités qui la composent. C'est ce qui justifie qu'un enfant de Dieu, le moment qu'il dit je rends grâce à l'Éternel, il ne peut pas le faire d'une manière vague. Non, il doit être clair avec son Dieu en disant au Dieu Tout-Puissant que pendant 12 mois, pendant 52 semaines, pendant 525 600 minutes, pendant 8760 heures, l'Éternel Dieu, en prenant ce temps-là, il l'a réparti de manière équitable. Mais parfois il arrive que l'homme, dans sa négligence, il néglige le temps que Dieu lui a donné, et alors il pense que l'autre a eu mieux que moi. Pour séparer ces éléments, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait? La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1er, en les prenant par le verset 14e jusqu'au verset 18, la Bible enseigne que Dieu a placé les luminaires, il a placé les astres. L'objectif, c'est de séparer. La lecture nous enseigne que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Donc quand nous disons que maintenant il est nuit, l'Éternel Dieu a placé un astre qui permettra de pouvoir connaître, de pouvoir faire connaître un changement. Il dit qu'ils serviront des signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passera ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Ici, je suis en train de voir deux termes différents. Que les astres ou les luminaires, on les a placés, le premier objet objectif séparé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on les a placés pour présider. Pourquoi je suis en train de parler de ces termes? C'est permettre aux chrétiens que quand tu vois le soleil apparaître, que tu saches que cet astre que Dieu a placé, ce n'est pas un homme qui l'a créé. Dieu a donné seulement à l'homme de comprendre, lui a donné l'intelligence
pour comprendre ce qu'il a fait. Donc à l'homme il lui a donné l'intelligence. Et donc à toi tu dois aussi avoir l'intelligence. Le moment que tu vois la lune, le moment que tu vois les étoiles, que tu puisses comprendre que Dieu est en train de travailler. Le moment que tu vois les années en train de se transformer, l'une on a appelé 2021, l'autre on l'a appelé 2022. L'homme n'a pas créé 2022. Mais sauf que Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Mais le signe pour présider ces années et ces jours, c'est Dieu lui-même. Et quels sont ces signes? C'est là le soleil. C'est là qu'on a la terre. C'est que vous avez appris que la terre tourne autour, le soleil, la lune, ainsi de suite. Quand un chrétien comprend cela, avec l'intelligence de la parole de Dieu, ça peut transformer sa façon de prier. C'est là que vous voyez des gens comme Josué qui ont compris cela, étaient capables de parler au soleil parce qu'il avait compris que si le soleil s'arrête, automatiquement moi je continue à faire mon travail. De quelle manière toi quand tu comprends tu vas agir? C'est de savoir que Dieu, en te donnant 2022, alors qu'il y a des signes pour présider au changement, tu ne seras pas négligent. Tu vas surveiller tous les éléments avec attention. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, il pouvait dire que je travaille pendant qu'il est encore jour. C'est pour dire qu'il y a le moment où tu ne peux pas travailler. Quand Dieu te donne la possibilité, comme la nouvelle année, c'est une possibilité que Dieu t'a donnée. Et par l'intelligence que Dieu active avec le Saint-Esprit, tu peux déjà commencer à te préparer en disant, que ferai-je de ce cadeau que Dieu m'a donné? Ce cadeau que l'on a donné un chiffre en disant que 2022, est-ce que je m'arrêterai à observer? Non, un homme sage ne s'arrête pas à observer. Un homme sage entreprend des actions. C'est pourquoi en parlant de cela ce matin, j'aimerais nous engager tous afin que ce cadeau que Dieu nous donne, comme il avait créé le jardin d'Éden, ce n'était plus Dieu qui venait garder le jardin d'Éden, ce n'était plus Dieu qui venait travailler ou cultiver le jardin d'Éden. C'est l'homme qui a reçu le jardin d'Éden qui avait le pouvoir de travailler et qui avait le pouvoir de garder. Laisse que l'année 2022 que l'Éternel Dieu t'a donné, parce que tu l'as vu, tu vois les choses en train de changer. Ah, je bénis le Seigneur parce que la Bible déclare que les astres sont placés dans les cieux pour présider, pour changer les périodes,
pour changer les épaules. C'est ainsi un chrétien, un homme avisé, le moment qu'il voit les époques changer, c'est alors qu'il se dira: je vais m'accrocher chez celui qui ne change pas. Donc l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi, frères et sœurs, parce que nous disons que Dieu a dit: je veux faire encore, nous devons savoir qu'en parlant de la longue vie, c'est en fonction du temps, de savoir combien de temps tu passeras sur la planète Terre. C'est ainsi Dieu. Quand il dit: je veux faire encore, il nous présente des échantillons de ce qu'il a déjà fait. Je vous ai dit que le message de ce matin: vivre longtemps. Comment les choses se passaient du temps de la Bible? C'est la deuxième analyse. En prenant la deuxième analyse, cela nous amène à quelques exemples de comment les gens ont vécu du temps de la Bible. Et là, nous l'appelons le principe de longue vie. Le principe de longue vie. Depuis la Genèse, les hommes vivaient longtemps et en forme physique. Les gens ne mouraient pas prématurément. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 5. Ceci permet que le message que nous écoutons dirige ta prière. Et la Bible nous enseigne au chapitre 5e, le verset 8, le verset 11, verset 14, verset 17, verset 20, verset 27, verset 29 et le verset 31e. L'ensemble de ces passages, tu as ça dans ta parole, dans ta Bible. Mais quels sont les exemples qu'on nous donne là-dedans? Les principes de la longue vie, nous les tirons dans la parole de Dieu. Nous avons le premier ancêtre que nous appelons Adam. Adam a vécu 930 ans. Nous avons celui qui vient après lui. Nous avons Seth a vécu 912 ans. Seth a vécu 912 ans. Nous avons Enoch. Lui a vécu 905 ans. Il a vécu 905 ans. Et après Enoch, nous avons Kenan. Il a vécu 910 ans. Il a vécu 910 ans. Après lui vient Mahalaël. Il a vécu 895 ans. Après lui vient Enoch. Enoch a vécu 962 ans. Enoch a vécu 962 ans. Après Enoch vient Methuselahel. Lui a vécu 969 ans. Il a vécu 969 ans. 969 ans. Quand je regarde 909 ans, 969, dans mon hôtel à 969, je réfléchissais un peu. Que donc cet homme était tout près de vivre sur la terre 1000 ans. Et quand nous lisons la parole de Dieu, toutes ces personnes
Parfois, ils avaient leur premier enfant à 100 ans. Vous entendrez, on dit que quand il y eut 130 ans, il a eu son fils. Et après celui-là, il a mis encore des enfants jusqu'à 900 ans. Nous prêchons beaucoup sur Noé. Quel était l'âge de Noé? Noé a vécu 500 ans. Et il a continué de mettre au monde. Je veux que tu dises à ton voisin que Noé avait 500 ans et il continue à mettre au monde. La prière que j'ai faite devant Dieu, que j'ai faite, c'est de demander à Dieu que mon Dieu, quand je vais communiquer cette parole, que l'esprit qui marche avec ta parole affecte les vies, affecte les hommes et les femmes. Noé, après le déluge, et puis il a continué de mettre au monde jusqu'à 500 ans. Et à 500 ans, il a continué encore de mettre au monde, et il est mort à 950 ans. Alors toi tu n'as que 50. Alors regarde Noé qui lui en a fait sur les 50 que tu as, lui a encore vécu 900 de plus. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, ce que j'ai fait là, je le ferai encore. Je sais, tu me demanderas, est-ce que nous allons vivre 900 comme Noé? Non, l'Éternel Dieu lui-même avait déjà mis une certaine limite quelque part. Et il a mis une moyenne. Quand vous prenez psaume 90, la Bible dit au couplet dixième, il a dit que la vie de l'homme sera de 70 ans et de vigoureux iront jusqu'à 80 ans. C'est pour dire, quand je lisais la compréhension de la Bible, que l'homme quand il a 70 ans, oui, c'est ça ce que Dieu a dit, et Dieu a dit que ça ne va pas s'arrêter là, et si il a dit que jusqu'à 80 les hommes iront, quand nous prenons la parole de Dieu, l'apôtre Paul, quand il parle, il dit qu'il y a des faibles, qu'il y a des forts. Et c'est ça, c'est à l'église. Moi, je veux que tu saches où tu te situes. Tu te situes parmi les faibles ou tu te situes parmi les forts? Parce que Dieu a dit, les faibles mourront à 70 ans. Les faibles, mais les vigoureux, ils vont aller jusqu'à 80 ans et ils vont dépasser. Or il nous dit dans sa parole que j'étais soutenu depuis le sein maternel, et il fait une promesse que je te préserverai, que l'Éternel Dieu préserve un secouriste qui m'entend ce matin. Je dis que l'Éternel Dieu puisse soutenir, qu'il soutienne une secouriste qui m'entend ce matin. L'Éternel Dieu a fait une promesse, et moi je suis venu t'annoncer cette promesse là, et moi je veux m'approprier de cette promesse que l'Éternel Dieu a dit, que je vous ai porté depuis la naissance,
Oui, c'est une vérité. Je ne respire pas par ma force. C'est lui qui m'a porté pour que je continue de respirer. Et il promet en disant, non seulement je vous ai porté, en même temps je vais vous soutenir. Que les faibles soient soutenus par l'Éternel Dieu de gloire. Je dis que le faible soit soutenu par l'Éternel. Je dis que le faible ait la force qui vient de l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui fait la promesse à son peuple. Il dit dans le principe de la longue vie. Il a montré de quelle manière il avait été avec les gens d'autrefois. La troisième analyse, les conditions pour une longue vie. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait, même la vie éternelle, il dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, c'est la condition pour entrer dans la vie éternelle. C'est pour dire à toi et à moi-même, si pour entrer dans la vie éternelle, l'Éternel Dieu a fait tout un programme et il a présenté une condition en disant, pour entrer au ciel, tu dois d'abord croire au Seigneur Jésus. Et alors il nous montre qu'il y a aussi des conditions. Oui, il a promis. Mais pour avoir cette promesse là, il nous montre comment vivre. Et le moment que tu comprends de quelle manière il faut vivre, oui, effectivement, tu peux vivre dans la promesse que Dieu a donnée. Les conditions pour une vie longue. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10e, au verset 27e, la Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel prolonge le jour, mais les années des méchants sont abrégées. Si tu veux prolonger tes jours, si tu veux hériter de cette promesse que l'Éternel Dieu a faite, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, crainte de l'Éternel? Crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin, crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel. Donc la crainte de Dieu, Dieu promet que ça t'aidera à pouvoir prolonger tes jours. De quelle manière tu marches? De quelle manière tu marcheras en 2022? Les conditions pour une longue vie. Dans 1 Roi chapitre 3e, verset 14, il est dit, si tu marches dans mes voies et mes commandements, comment marcher David, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Je parle des conditions pour que tes jours soient prolongés. Ça ne va pas se faire comme sous une baguette magique. Non. Ta façon de marcher, ton comportement de tous les jours,
C'est ainsi que j'aimerais t'inciter ce matin. Que tu puisses dire à Dieu, aide-moi à marcher selon ta parole, à marcher selon tes commandements, parce que j'ai besoin d'hériter cette promesse. Vous savez, mes frères et sœurs, vouloir obtenir quelque chose, c'est bien, mais faire ce qu'il faut pour l'obtenir, c'est mieux. Quelle peut être ta décision pour ta marche en 2022? Quelle décision tu as pour 2022? La décision que tu prends ce matin, l'Éternel Dieu aussi saura de quel côté il va se pencher dans tes dossiers. La crainte de l'Éternel, un secret pour prolonger le jour. Quand on parle de prolonger, c'est pour dire là où le jour devait s'arrêter, l'Éternel peut dire non, que ça ne s'arrête pas, que ça puisse aller encore un peu plus loin. Et pour s'en aller justement, Moussika, savez, dans la souveraineté de Dieu, je vous ai parlé de ces exemples dans le livre de Genèse. On a montré de quelle manière l'un a vécu 905 ans, l'autre a vécu 969. Mais tout le monde nageait autour de 900. C'est ainsi que j'incite ta foi à saisir cette promesse que l'Éternel Dieu envoie aux secouristes en disant que je vous ai soutenu, je vais encore vous soutenir, mais pour permettre à Dieu de le faire, notre marche sera aussi une fonction. Les conditions de la longue vie. Parfois nous lisons la parole, mais nous négligeons ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la longue vie? Il dit aux enfants, obéissez aux parents afin que vous viviez longtemps sur la terre. Je sais, tu te diras, est-ce que pour dire que tous ceux qui meurent jeunes, ceux qui n'ont pas été obéissants aux parents, nous ne disons pas cela. Il y a des choses que Dieu décide dans sa souveraineté. Mais quand Dieu nous fait une promesse, c'est à nous de nous approprier cette promesse-là. Les conditions d'une longue vie. Marcher selon les principes de Dieu. Mais être dans la sagesse de Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10 à 12. Si quelqu'un aime la vie et qu'il veut voir le jour heureux, qu'il garde sa langue et qu'il préserve ses lèvres des mensonges. Voyez comment Dieu nous aide à voir les choses qu'il veut faire pour nous. Il pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre les jours heureux sur la terre? Je pose la même question ce matin entre nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre heureux sur la terre? Ah non, les autres n'ont pas répondu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre heureux sur la terre?
Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vie parmi nous? L'Éternel Dieu nous dit ce que nous devons faire. Que celui qui aime la vie, celui qui veut vivre heureux, qu'il puisse travailler sa langue. Il empêche ses lèvres de professer les mensonges. 2022 va-t-il continuer avec la vie des mensonges? Va-t-il continuer en utilisant ta langue pour maudire les autres? Et alors tu diras: Seigneur, tu nous as promis, nous avons écouté ta parole. Tu as dit: vous vivrez longtemps. Tu as dit: je vous ai soutenu, je vous soutiens. Tiendrai encore. Mais ta langue, tu continues à mentir. Ta langue, tu continues à raconter n'importe quoi. J'aimerais appeler les secouristes ce matin. Que 2022, apprenons à contrôler notre langue. Ne savez-vous pas ce que disent les secouristes? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Y a-t-il quelqu'un qui aime la vie? Qu'il garde sa langue. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre heureux sur la terre? Qu'il empêche ses lèvres de professer les mensonges. Nous voulons qu'en 2022, que nous puissions être prophètes de notre vie. Que quand tu parles quelque chose, tu contrôles bien ta langue avant de sortir la parole. Cela va contribuer à une longue vie que Dieu a promis. La Bible nous enseigne en montrant qu'il est vrai que Dieu veut nous laisser vivre longtemps. Mais les fruits que nous portons doivent marcher en accord avec sa parole. Vous connaissez tous la parabole de la vigne qui ne portait pas de fruits. Le vigneron a dit qu'on doit l'écarter, qu'on doit l'arracher. Mais il a fallu qu'on puisse les supplier. Non, laissez-les encore. Mais le vigneron a dit non, parce qu'il ne portait pas de fruits. Donc je pense qu'il est en train de perdre le temps de gaspiller la terre. Que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas. Décidons-nous de porter les fruits qui glorifient l'Éternel. Quatrième analyse, c'est la promesse elle-même. La promesse elle-même. La promesse de la vie longue. Vouloir vivre longtemps, ce n'est pas quelque chose que juste toi tu veux, c'est quelque chose que Dieu a promis. Si ce que tu veux a déjà été promis par Dieu, cela te donne la possibilité de, quand tu pries, que tu saches le faire avec conviction parce que Dieu le veut. Au départ, nous avons parlé de la notion de temps. Comment vas-tu gérer ton temps en 2022? Nous tous, nous avons la même quantité de temps, si tel est le terme.
les riches comme les pauvres. Il n'y a pas celui à qui on a donné un jour de 25 heures. Mais la différence, c'est ce que nous faisons de notre temps. Je veux dire à quelqu'un, tu deviendras ce que tu fais de ton temps. Je me répète, tu deviendras ce que tu feras de ton temps. Je le dis une troisième fois, tu seras le fruit de l'utilisation de ton temps. Le moment que tu te décides que tu ne vas plus gaspiller ton temps, l'Éternel Dieu prendra acte de ce que tu feras. Parce que le temps est un cadeau que Dieu t'a donné. Si quelqu'un te fait un cadeau, et alors il te regarde comment tu utilises son cadeau. Si Dieu te donne le temps, et Dieu te regarde comment tu utilises le temps, si Dieu te donne 2022, il va te regarder. Comment vas-tu utiliser 2022? En dormant 20 heures par jour. Or, le jour n'a que 4 heures. Et n'a que 24 heures. Et l'Éternel Dieu a dit dans sa parole que c'est le travail qui peut rendre l'homme indépendant. C'est le travail qui peut enrichir l'homme. Tandis que les paroles en l'air ne conduisent qu'à la disette. Que feras-tu de 2022? Toi, mon ami qui m'écoute là au balcon où tu es, je suis content que tu aies levé la main, mais c'est la réponse de ton cœur qui va justifier. Que feras-tu de ton temps? Tu deviendras ce que tu auras fait de ton temps. Donc je parlais de la promesse. Nous sommes dans le livre de Job. Nous le prenons par le chapitre 5, le verset 19 jusqu'à 20, et le verset 26e. La Bible déclare: six fois il te délivrera de la détresse, et cette fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Le verset 26 dit: tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis en étant. Donc dans la version que je lis, il est dit: tu entreras dans la tombe rassasié de jour, et encore tu seras fort. C'est ce qui est dit dans l'autre version, que tu entreras dans la tombe rassasié de jour et plein de vigueur. En d'autres termes, tu ne mourras pas, les corps déjà fatigués à cause de la vieillesse. Non, l'Éternel Dieu promet, la tombe tu la verras. Mais c'est quand tu seras rassasié de jour. Que veut dire être rassasié? Les mamans qui sont ici savent, si tu es en train de nourrir l'enfant, il commence à retourner ce que tu lui mets dans la bouche. Au premier moment, tu diras ce sont des caprices. Mais après un temps,
tu te diras, non, l'enfant est rassasié. Maintenant, l'Éternel Dieu promet que 6 fois je te délivrerai. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a une situation de désastre, l'Éternel Dieu te délivrera. Quand une autre viendra, l'Éternel Dieu te délivrera. Quand une autre viendra, l'Éternel Dieu enverra la délivrance. Quand une autre viendra, l'Éternel Dieu te délivrera. Parce que je parlais du temps, l'Éternel Dieu a donné 6 jours de travail, lundi, mardi au samedi. Et alors je déclare, quand le malheur viendra le lundi, mon Dieu te délivrera. Quand le malheur viendra mardi, l'Éternel Dieu enverra la délivrance. Quand le malheur t'atteindra mercredi, la délivrance sera ton partage. Il y a des gens qui disent, le jeudi, c'est un jour compliqué. Mais l'Éternel Dieu dit, quand le malheur arrivera le jeudi, l'Éternel Dieu sera là pour te délivrer. Il y a des gens qui disent, si les magistrats te coffrent le vendredi, sache déjà que samedi tu vas descendre à Bakal. Mais l'Éternel Dieu dit, quand le malheur t'atteindra le vendredi, la délivrance sera ton partage. Il y a des gens qui disent, le samedi c'est une demi-journée, mais l'Éternel Dieu promet, quand le malheur t'atteindra samedi, l'Éternel Dieu te délivrera. Frères et sœurs, c'est la promesse que Dieu fait. Quand il a parlé de 6 fois, il dit 6 fois, il te délivrera de la détresse. Il a dit, oh, quelqu'un peut dire, alors le dimanche je ne sortirai plus, parce que Dieu m'a promis seulement 6 fois. Et l'Éternel Dieu est allé au-delà. Et il est allé maintenant à la 7e fois, en disant que 7 fois le malheur ne t'atteindra pas. Est-ce que je peux parler au peuple de Dieu, que l'Éternel m'a envoyé parler au peuple ce matin? Tu vivras longtemps. Est-ce que je peux parler au peuple ce matin? Dieu m'a envoyé te dire que tu mourras rassasié de jour. Être rassasié de jour, ça veut dire omeli mikolo yango, jusqu'à ce que yomoko. Amen. Yes. Amen. Je dis à quelqu'un, okolemba mikolo. Amen. Batu batali yoko yebalobi, mais azalina 100 ans, on dirait azalina 25 ans. Amen. Je proclame, je déclare. Amen. Que l'Éternel est Dieu qui m'a donné ce message pour parler à quelqu'un. Écoutez, moi, mes amis, si un homme faible ne peut pas reproduire, si il nous a parlé de l'année de production, un homme qui va à la tombe ne peut pas produire. Je dis quelqu'un ce matin, la longue vie, l'Éternel Dieu promet. Je suis venu dire à quelqu'un que pendant 2022, confesse
tatola. Déclare. Loba. Proclame. Loba. Que je serai rassasié de jour. Et ngai na kotoni tamana mikolo. Moi j'irai dans la tombe. Et tamana kokota na kunda. Quand moi-même je serai rassasié. Tangongama kona kotala ya kotona. Tant que j'ai besoin de jour. Tangongai na kotona. La tombe doit attendre. La tombe va attendre. Je dis la tombe va attendre. Si les sorciers veulent enlever le jour, il faut l'interdire. Il faut lui dire, ce n'est pas toi qui as la décision. Celui qui marche avec moi m'a promis que je te soutiendrai. Quand l'Éternel Dieu dit qu'il te soutiendra, c'est parce qu'il connaît qu'il y a les gens qui vont t'attaquer. Je dis à quelqu'un ce matin, en 2022, quand tu seras attaqué, le Dieu de l'évêque je te soutiendra. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu seras attaqué, l'Éternel Dieu de l'évêque Jiba te délivrera. L'Éternel Dieu promet, quand viendra la détresse, il faut savoir, au bout des tunnels, Dieu t'a déjà prévu ta délivrance. Et qui c'est lui qui aime la vie, qu'il abandonne les mensonges, qu'il parle la vérité, qu'il marche dans la vérité. Je suis venu comme porte-parole de Dieu pour dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, pour ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Celui qui croit que cette parole c'est pour lui, je vois la parole, une parole de longévité. Celui qui croit que cette parole c'est pour lui, la Bible déclare, dans l'air détresse, il leur envoya la parole. J'envoie la parole. J'envoie la parole. J'envoie la parole. Tu seras rassasié de jour. J'envoie la parole. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Qu'il faut avec le volume. Dieu, celui qui a tout créé par la parole, il soutient la terre par la parole. Il m'a chargé de parler ce matin. Il nous a soutenus pendant que nous étions encore dans les seins maternels. Il nous promet qu'il nous soutiendra encore. Est-ce que tu étais découragé? Entre en 2022 plein de courage. Est-ce que tu es en train de voir un tableau sombre devant toi? L'Éternel Dieu déclare, même quand tu lui auras la détresse, tu peux encore avoir l'assurance que l'Éternel Dieu te délivrera. Combien de fois ça viendra? L'Éternel Dieu dit que je serai toujours là. Il dit, je suis le même. J'ai soutenu les gens autrefois et je vous soutiendrai également. Maintenant je continue de parler. S'il y a quelqu'un qui était affaibli par les sorciers, l'Éternel est venu pour donner la force aux faibles. C'est pour cette raison je déclare, s'il y a quelqu'un qui veut
voulais abréger tes jours de la vie, l'Éternel Dieu promet la prolongation. Je dis, l'Éternel Dieu promet la prolongation. Je le déclare, l'Éternel Dieu promet la prolongation. Je veux dire à quelqu'un, si pour le match de ton grand frère, ça s'était soldé comme c'était soldé là, mais pour le match de ta vie, l'Éternel Dieu a promis que la prolongation aura lieu et que dans cette prolongation là, il sera avec toi, il sera avec toi. S'il y a les maladies qui affaiblissent, l'Éternel Dieu te donnera la force. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu. En même temps, nous sommes aussi venus pour entrer en 2022 autrement. Comme envoyé de Dieu. C'est le message que Dieu m'a envoyé. D'apporter à votre vie. Que tu dises à ta vie. Que je n'irai pas dans la tombe jeune. Je redis, dis, qu'est-ce que tu peux dire à ton cœur? Dis, mon cœur. Loba, mon cœur. Dis encore, mon cœur. Mon cœur. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Dieu a placé les astres. Dieu a placé les astres. Pour séparer le jour et la nuit. 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 Pour établir les temps. Pour établir le temps. Pour établir le jour et les années. Pour établir le jour et les années. Les jours. Les jours. C'est selon la parole de Dieu. C'est selon la parole de Dieu. Toi soleil. Toi soleil. Quand tu te lèveras en 2022. Quand tu te lèveras en 2022. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. J'ai le soutien de Dieu. J'ai le soutien de Dieu. J'aurai la force nécessaire. 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 Je n'irai pas dans la tombe jeune. Je n'irai pas dans la tombe jeune. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu as parlé de 80 ans. Tu as parlé de 80 ans. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Est-ce que quelqu'un en a besoin ici? Que le Dieu de l'évêque Jiba te donne 80 avec force. Appelle 80 dans ma face. Amen. Parce que c'est sa parole. Déclare que tu n'iras pas dans la tombe déjà fatigué. Tu seras rassasié le jour. La force sera toujours là. Que ton corps devienne fort. Que ton esprit devienne fort. Que Dieu bénisse sa parole. En ce moment, nous allons d'abord nous mettre debout. Nous allons dire merci à Dieu. Que Seigneur, ta parole est la vérité. Je crois en ta parole. Je confesse ta parole. Je la sers dans mon cœur. Je la sers dans mon âme. Je la sers dans mon esprit. Par sa parole. Et sa parole est guérie. Je crois ta parole par la vérité dans toute sa totalité. Oui, je crois, oh Dieu. Et ce que tu dis, c'est ce qui se réalise toujours.
Je vois oh, ta parole dans notre ensemble. Ta parole est celle qui me donne la vie. Je t'ai béni pour ça. Oui, éternel des armées, l'univers a été créé par cette parole. Oui, je confesse et je déclare que ta parole est la vérité. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, c'est la mort totale. Je confesse et je décris que ta parole est dans la tête des âmes qui m'enseigne. Je te bénis, oh Dieu. Je te célèbre encore de ta parole. Quand ta parole est celle qui me donne la vie. Oui, et dans les armées, lorsque le monde est informé vite, oui, à cause de ta parole, grand Dieu, tu as dit que les choses fuient. Voilà pourquoi je déclare, je prie en ce moment, qu'à cause de ta parole, je serai transformé. Voilà pourquoi je te bénis, je te rends grâce à cause de ça. Merci à ta main de désormais, car tu es le Dieu qui change, le temps est nécessaire. Personne dans les désormais ne peut changer ce que tu as dit dans nos vies. Nous croyons en l'éternel, nous croyons en l'accomplissement et à la réalisation éternelle de ce que tu as dit. Car ta parole est la vie, car ta parole est dans les désormais, nous transforme. Je le crois et je confesse par le nom puissant de Jésus. Ta parole va être mes désormais dans la vie. Voilà pourquoi je te bénis pour ça. Je te bénis en Dieu. Parce que ta parole est celle qui nous enseigne toutes choses. Ta parole est celle qui nous transforme. Et dans la tête désormais, où irai-je encore de toi? Car près de toi est dans la désormais. Dans ta parole, nous savons ce que nous cherchons. Oui, et dans la Dieu, je confesse. Et je déclare que ta parole est la fille. Oui, ta parole est la fille. Oui, ta parole est la fille. Oui, ta parole est la vie. Je le confesse et je le déclare. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Oui, je te prie. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Je confesse et je déclare. Par les noms puissants de Jésus. Je confesse en Dieu. Je déclare et je confesse. Par les noms puissants de Jésus Christ. Ta parole est celle qui nous donne la paix. Père éternel, oui, lorsque les grands ennemis nous retrouvons devant des obstacles, oui, ta parole, oh Dieu, que nous retrouvons les grands dieux, que nous nous sauvons la paix, la transformation, oui, l'éclairage dans grand Dieu. Nous le déclarons, oh Dieu, désormais, et nous confessons, éternel Dieu, que ta parole est la vie. Oui, éternel Dieu, oui, éternel Dieu. Oui, éternel Dieu, je déclare et je confesse. Oui, je déclare et je confesse. Oui, je déclare et je confesse. Que ta parole est celle qui nous enseigne. Dieu sans pareil, oh Dieu. Sans limite, sans roi. Ta parole est la vie. Je le confesse. Je déclare dans ma vie. Ce matin, je déclare. Ce matin, je déclare. Que ta parole est la vie. Ce matin, je déclare. Oui, ta parole est la vie. Ce matin, je déclare. Que ta parole est celle qui m'enseigne. Ce matin, je le déclare. Que ta parole est celle qui nous enseigne. Qui nous donne de directives appropriées dans nos vies. Dans les déclarons et nous confessons. Allez, mon précieux de Jésus. Dans les noms précieux de ton fils, Jésus. Nous le confessons. Nous le déclarons. Nous les confessons par le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu, roi, oui, c'est ta parole qui peut nous donner la vie. C'est ta parole, c'est ta parole qui peut nous donner la vie. Donc, nous déclarons cette parole de cette partie, celle qui nous donne au roi, de ce que nous devons. Je déclare et je prophétise, oh Dieu, que ta parole est celle qui nous enseigne.
chef prie, elle chef signe. Ta parole est celle qui nous enseigne toute chose. Alors qu'il te plaise, qu'il te plaise, oh Dieu, que ta parole, oh Dieu, que ton fille, ta parole est celle que nous transformons, oh Dieu. Ta parole est celle que nous montre les chemins. Ta parole est celle que nous tend la paix. Ta parole est celle que nous montre en étant Dieu. Quoi faire, parole, Dieu? Quoi faire, oh Dieu? Oui, la réponse est dans ta parole. Nous les confessons, et là nous les déclamons. Par le nom puissant de Jésus, ta parole est la vie, ta parole est la paix. Nous les confessons.